Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namini. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine. Nirvishesha Shunyavari Pashyata Deshatarine. Nirvishesha Shunyavari Pashyata Deshatarine. Dans ce livre de Mula Prakriti, Mataji, elle a regroupé les témoignages qu'elle a eu de Prabhupada selon les différentes époques de la vie de Prabhupada. Donc là, je vais chercher dans les dernières années, en fait, avant qu'il vienne aux États-Unis. Ils sont tous des Vaishnavas que nous ne connaissons pas trop. Ok. Shripad Hridayananda Babaji Maharaj. Vous connaissez Shripad Hridayananda Babaji Maharaj? Vous voyez? Un petit peu? Shripad Hridayananda Babaji Maharaj, il est né au Radhakund. Déjà. C'est clair, il a eu une bonne naissance. Et, ben. Et il a été Pujari pendant 78 ans. Il vit à côté du temple de Radha Damodar. À l'époque, il est encore là maintenant, je ne sais pas, peut-être. On commence au début de l'interview. Lorsque je lui ai demandé s'il connaissait Srila Prabhupada, Babaji Maharaj a commencé à pleurer. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui avait une sadhana comme lui, a-t-il dit. J'ai vécu toute ma vie à Vraj et je n'ai vu personne comme lui. Prabhupada a fait de nombreuses choses très difficiles et travaillé très dur, là, dans le temple de Radha Damodar. À cette époque, c'était très austère. Il n'y avait rien qui était développé. Mais il y avait... C'était boueux et poussiéreux. Il n'y avait aucun confort. Pleurant encore et encore, Babaji Maharaj, suite à un verset du Chaitanya Charitamrita de Sanatana Goswami au sujet de l'importance de la sadhana. Puis, citant Swarup Damodar et Ramananda Roy, il dit: sans sadhana, une personne ne peut jamais atteindre Krishna Prem. Et Pritive Acheyata Nagari Gram. De nombreuses années après cela, lorsque j'ai entendu que c'était lui qui avait été choisi par Chaitanya Mahaprabhu pour répandre le Mahamantra Hare Krishna tout autour du monde, je n'ai pas été surpris. Prabhupada répandit cette conscience de Krishna par la miséricorde de Rupa Goswami. Prabhupada avait l'habitude de prier Rupa Goswami. S'il te plaît, accorde-moi ta miséricorde. Puis, il a obtenu cette miséricorde. Je sais cela. Parce que j'ai vu certaines choses qu'il faisait au temple de Radha Damodar. Ma chambre était... Ma chambre est toujours aujourd'hui au même endroit qu'elle l'était lorsque lui aussi était à Vrindavan. En 1965, en 1964, 1965. En gros, il est toujours dans la même chambre qu'à l'époque.
de nombreuses fois au milieu de la nuit, vers minuit ou 1h ou 2h du matin, j'entendais une voix qui pleurait à l'intérieur de la cour du Samadhi de Rupa Goswami. Cette voix appelait à l'aide et elle pleurait. Mais je ne savais pas qui est-ce qui pleurait parce que j'essayais de me reposer. Mais une nuit, c'était la pleine lune, j'ai entendu à nouveau cette voix. Donc je suis monté sur le toit de notre maison et j'ai regardé dans la cour du temple de Radha Damodar, c'est-à-dire qu'il habitait juste à côté, une des maisons qui donne sur la cour du temple de Radha Damodar. Et j'ai vu là quelque chose de très incroyable. Ok, on s'arrête là. On va prendre le prasad. C'est l'heure du prasad. Tout le monde écoute bien. Srila Prabhupada était en train de balayer la cour de Rupa Goswami, du samadhi de Rupa Goswami. Il était courbé avec un petit balai, vous savez, comme les balais indiens. Il avait son petit balai. Et tandis qu'il balayait le sol du samadhi, il pleurait. Hé Rupa, hé Satan, hé Gurudev, s'il vous plaît, accordez-moi votre miséricorde. Sans votre miséricorde, je ne peux rien faire. Donnez-moi la miséricorde. Donnez-moi la force de pouvoir accomplir vos instructions. Alors j'ai réalisé que c'était lui qui, presque chaque nuit, appelait comme ça, en balayant de la sorte. Comme je vivais juste à la porte d'à côté, j'allais souvent lui rendre visite lorsqu'il était assis sur la véranda, le matin et le soir. On sait, à côté de la chambre de Prabhupada, il y a une petite véranda, on va dire, c'est une estrade, hein? C'est un petit peu surélevé comme ça par rapport à la salle du temple de Radha Damodar. C'est la plateforme qui faisait la jonction entre la chambre de Prabhupada et là où il prenait prasad de l'autre côté. Donc il allait voir, il était assis là-bas. C'était une personne très attractive, très attirante. Et de nombreux Vaishnavas étaient avides d'avoir son association. Lorsqu'il parlait des livres des Goswami, de Srila Bhaktivinoda ou de son Gurudev, de nombreux érudits et des saints très élevés venaient pour l'écouter. J'ai remarqué que les gens venaient assez fréquemment pour avoir son association et ses conseils. Il était bienveillant envers tous, il était très populaire. Parfois, si trop de personnes étaient venues lui rendre visite et qu'il voulait un peu de temps privé pour chanter et écrire dans sa chambre. Alors il me demandait de m'asseoir là, à sa place, sur la véranda, et de dire à tous ceux qui venaient s'enquérir de lui qu'il n'était pas disponible. C'était son service au Prabhupada. Parce que j'avais ressenti une très grande affection pour lui. Je lui ai demandé si je pouvais faire un service pour lui. Parfois, il me laissait balayer la chambre et la véranda, retirer les poubelles, laver ses vêtements ou faire d'autres petites choses. Un jour, je me souviens très clairement, pendant que je nettoyais sa chambre, j'ai vu des toiles d'araignée qui pendaient au plafond. Alors, avec le balai, je les ai balayées, je les ai fait tomber comme ça. Et à ce moment-là, j'ai vu les araignées qui se sont mises à courir sur le sol. J'ai remarqué juste cela au moment où Srila Prabhupada est entré. Immédiatement, il a regardé le sol et il a vu les araignées. Puis il a regardé le plafond et il m'a dit, « Pourquoi est-ce que tu les as dérangées ?» J'ai demandé pardon, j'avais un petit peu honte. J'ai dit que j'avais fait une erreur, mais que les araignées n'avaient pas été tuées, donc ça allait aller. À ce moment-là,
Il m'a dit que nous ne devrions jamais perturber les habitants du Dham comme ces personnes-là. Et il a ajouté que nous, en fait, nous sommes des nouveaux sur le Dham. Mais eux, ils habitent là depuis de nombreuses générations. Et ils doivent être respectés. Parce qu'il m'a donné cette instruction, il avait un air très grave. À partir de ce jour-là, je n'ai plus jamais embêté aucune araignée, ni aucune autre créature, où que ce soit, à Sri Vrindavan. Notez. Offrez votre hommage aux araignées. Et demandez leur bénédiction pour pouvoir rester à Vraj aussi longtemps que génération après génération, vie après vie. Nous allions souvent ensemble à la Yamuna pour faire des kirtans en fin d'après-midi. Il amenait des kartals pour chanter et moi je jouais du mridanga. Fortuné hein, quand même, faire des kirtans avec Prabhupada sur le bord de la Yamuna. De nombreux dévots locaux prirent l'habitude de son merveilleux parikram et le rejoignaient là, sur les berges de la rivière. Alors il les engageait tous à chanter le Mahamantra, Hare Krishna et le Panchatattva Mantra et à danser très joyeusement. Afin d'accomplir la prophétie de Chaitanya Mahaprabhu, Srila Prabhupada vint ici, à Vrindavan, en premier. Le Seigneur utilisa une telle personne mise en pouvoir afin de répandre sa mission. Toute chose de la sorte doit être accomplie avec une sadhana très lourde et très puissante. Krishna le récompensa parce qu'il avait tellement de nishtha et de shraddha. Il avait une foi très profonde. Je n'ai jamais vu une personne qui avait une telle sadhana et de tels sentiments. Si vous voulez prendre quelque chose, alors il faut tendre la main pour pouvoir l'attraper de cette manière. Il faut voler le Prema Dhan, la fortune de Prema. Il est possible de l'attraper. Prabhupada est ici, aujourd'hui encore, mais il faut que nous puissions le trouver, parce que Krishna l'a caché derrière un rideau. Son divertissement continue de s'accomplir. Il chante encore dans le temple de Radha Damodar. Il balaye encore la cour. Il fait encore toutes ces choses merveilleuses. C'est comme quand on attache du camphre dans un bout de tissu pour parfumer. Lorsque le camphre a disparu, l'odeur du camphre reste encore. De la même manière, Srila Prabhupada est certainement encore ici. Nous devons faire l'effort de voir Prabhupada. Il n'est parti nulle part. Et si nous ressentons la séparation, alors nous pouvons être avec lui. Avec un effort très puissant, Utkanta, tout sera révélé. Comme une chaste épouse, avec chasteté. Toutes ces choses viendront, comme des parents qui ont tant d'affection et qui mettent leurs mains sur la tête de leur enfant. Similairement, si nous allons voir Srila Prabhupada, il nous étreindra avec tant de sentiments, comme le fait le Seigneur. Incroyable, hein? Sripad Hridayananda Babaji Maharaj. Om Agyanati Mirandasya Ganam Janam Shalake Chakshurun Militam Tasmei Shigurai
Sri Chaitanya Manuvistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantiyam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Goradrishe Nama Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauravaktava Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Vamsakalpa Taruvyascha, Kripa Sindhubhyai Vasha, Patitanam Pavanibhyo, Vaishnavibhyo Namo Namaha, Mukam Karuti Vatsanam, Pangu Mangriyate Giri, Yat Kripam Tamaham Vande, Shiguru. Très intéressant. Hein? On pourrait lire d'autres histoires, mais je sens plus l'inspiration de revenir un petit peu sur ce qu'il a dit, parce que c'était assez profond, très dense. C'est incroyable de voir comment beaucoup de personnes, en fait, avaient déjà réalisé que Prabhupada était une personnalité très extraordinaire. Mais les Vaishnavas sont cachés. C'est pas toujours facile de repérer qui est qui, non ? Vous imaginez, Krishna a réussi à cacher Prabhupada pendant 69 ans. Et il avait l'air d'un Vaishnav parmi les autres dans le contexte social Vaishnava, parce qu'il y avait beaucoup de Vaishnavas, aussi illustres Vaishnavas à son époque. Et Srila Prabhupada, il écrit une tenue reportée dans le Chaitanya Charitamrita. Au sujet de Mukunda Saraka, il explique qu'un Vaishnav peut avoir l'air de rien, il peut avoir l'air de juste un matérialiste qui accomplit son travail dans ce monde, et il peut demeurer complètement dissimulé, même s'il est un Nityasiddha, et qu'en fait il est déjà sur la plateforme de la perfection. Prabhupada explique ça. Parce que Mukunda Saraka, qui est au monde spirituel, Vrinde Devi, Mukunda Das, on parlait hier justement, son métier c'était d'être médecin. Il était docteur. Et comme ça, extérieurement, qui aurait pu dire qui était Mukunda Das? C'est Vrinde Devi. Mais il est venu dans ce monde, il a joué le rôle d'être docteur. Il était le docteur du roi au Bengal. Seulement un jour, en fanant, quand il était dans la salle du roi, la salle du trône, il y a quelqu'un qui a fané le roi avec une... qui a éventé le roi avec un éventail en plume de pont. Et quand il a vu cet éventail en plume de pont, il est tombé par terre, et c'était sur une estrade, donc il est tombé en bas de l'estrade, pont, il est directement tombé. Bah, c'était quand même assez haut, quoi. Là, tout le monde a peur qu'il est arrivé quelque chose, et ils ont demandé qu'est-ce qui vous est arrivé, tout ça. Il a dit non, c'est pas grave, je fais un peu d'épilepsie parfois, il a dit. Les Vaishnavas font comme ça. En fait, c'était le simple fait d'avoir vu une plume de pont, avait provoqué en lui un tel symptôme d'extase qu'il était tombé de l'estrade. On n'en sait pas tellement plus sur Mukunda Saraka, parce que c'est pas beaucoup raconté de sa vie, mais dans la tenue portée, Prabhupada explique ça bien, que Mukunda Saraka avait l'air d'être un simple docteur. En fait, c'était un associé éternel de Radha Krishna. Et il dit, de cette manière-là, les Nityasiddhas peuvent descendre dans ce monde et paraître des gens ordinaires parce qu'ils accomplissent des activités ordinaires et qu'ils peuvent demeurer complètement cachés et qu'eux-mêmes aussi sont experts pour se dissimuler. Et c'est très marrant puisque Prabhupada, lui, il a eu une vie très similaire. Il était pharmacien pendant 60 ans. Hein. Pendant 60 ans, Prabhupada. Enfin, il n'a pas commencé dès qu'il est né.
Pendant toute sa vie, il a été pharmacien. C'est quand même long, 60 ans. C'est comme si vraiment il a été jusqu'à l'âge de la retraite. Hein. Pharmacien, qu'est-ce qu'il dirait? Vous avez déjà vu les photos de Prabhupada quand il était pharmacien, avec sa moustache là. Bien caché quand même, hein. Avec sa coupe et puis sa moustache. Qui aurait pu croire que c'était la personne qui allait reprendre le mouvement de Mahaprabhu sur toute la tête? Non? Il faut comprendre, c'est pour ça que quand il a fait ce qu'il a fait, il y a beaucoup de gens qui ont été un peu... Un peu... Hein? Sceptique, voilà, exactement, c'est le mot que je cherchais. Qui ont été un peu sceptiques et se sont dit, ah. Parce qu'eux, ils le connaissaient d'avant, quoi, c'était Abhay Babu. Abhay Babu, qui a répondu le mouvement de Mahaprabhu partout autour de la Terre. Ils ont du mal à comprendre. Mais certaines personnes avaient déjà repéré ceux qui avaient eu la chance d'être plus proches de Prabhupada ou qui avaient eu la chance d'être plus avancés pour pouvoir percevoir la nature de Prabhupada. À tel point que Shripad Devidananda Babaji Maharaj, il dit que pendant toute sa vie à Vraj, et attention, il est né au Radhakund, il était Pujari pendant 78 ans. Ça veut dire qu'il en a vu des Vaishnavas. Si vous êtes né au Radhakund et vous avez fait Pujari à Vraj pendant 78 ans, vous avez vu beaucoup de Vaishnavas et beaucoup de grands Vaishnavas aussi. Parce que quand vous êtes Pujari, ça veut dire que vous êtes dans un temple, vous voyez les gens qui viennent prendre darshan, non? Donc vous rencontrez les grands Vaishnavas. Il en a vu beaucoup, il a dit qu'il a vu, il n'avait jamais vu personne qui avait une sadhana comme Prabhupada. C'est intéressant, hein? Parce que en vérité, personne ne connaît vraiment la sadhana de Prabhupada. Quand il est venu aux États-Unis plus tard, on n'a jamais décrit tellement quelle était la sadhana de Prabhupada. Non? Prabhupada n'a jamais dit à personne combien il chantait de tours. Ou même en observant sa journée comme ça, on n'avait pas l'impression que c'était quelqu'un qui avait une sadhana si incroyable, parce que par rapport aux Acharya Vaishnav comme Haridas Thakur qui chantait 192 tours chaque jour, c'est manifeste que Prabhupada ne chantait pas 192 tours par jour, parce que vu tout ce qu'il faisait aussi, il n'était pas en train de chanter toute la journée. On doit comprendre que là on est avant, lorsqu'il était au temple de Radha Damodar, il était peut-être plus absorbé aussi dans sadhana, mais j'ai jamais vu décrit véritablement quelle était la sadhana de Prabhupada. Et ensuite, quand il est venu aux États-Unis, il a consacré presque 100% en fait de son temps à simplement donner. Parce qu'il savait que maintenant il avait peu de temps et donner. Ça ne veut pas dire que, comme ils sont des associés éternels de Radha Krishna, il peut continuer sa sadhana en même temps. Parce qu'en fait, il peut faire tout ça intérieurement. Hein. C'est différent. En fait, les associés de Radha et Krishna, ils ne sont même pas obligés de faire de sadhana, ce n'est pas que leur conscience, elle va descendre. Parce qu'ils sont absorbés déjà dans la transcendance, ils sont dans l'énergie spirituelle de Krishna, ils sont dans leur corps spirituel. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus, non? Et mais s'ils accomplissent, s'ils s'absorbent dans la sadhana, c'est pour deux raisons. Quand ils viennent dans ce monde, la première raison, c'est pour montrer l'exemple aux âmes conditionnées. La deuxième raison, c'est pour supporter la séparation qu'ils ont d'être dans ce monde matériel. C'est très difficile. Vous imaginez, déjà pour nous, c'est difficile d'être dans ce monde, non? Et au fur et à mesure qu'on progresse spirituellement, ça devient de plus en plus difficile d'être dans ce monde. Plus on apprend et on réalise à quel point Krishna est merveilleux, ça devient de plus en plus difficile d'être dans ce monde. Imaginez pour quelqu'un qui vient du monde spirituel comment ça doit être impossible d'être dans ce monde. Donc, ils survivent en chantant. C'est deux causes différentes. Nous, nous chantons pour pouvoir nous libérer. Eux, ils chantent pour pouvoir survivre. C'est le principe de survie. Parce que s'ils ne s'absorbent pas en Krishna, la séparation va devenir trop puissante. Donc,
par le chant, l'écoute et le fait de s'absorber dans la maison de Krishna en ce monde, ils apaisent le sentiment de séparation qui les emporte intérieurement. Ça, Prabhupada explique que servir Krishna tout en étant absorbé dans un sentiment de séparation, c'est la plus haute perfection spirituelle. Donc les associés de Mahaprabhu, lorsqu'ils viennent en ce monde, ils viennent aussi pour expérimenter ça, pour expérimenter la séparation de Krishna. Même si c'est dur d'être séparé de Krishna, cependant, tous veulent expérimenter quand même. Parce qu'il y a une nature spéciale dans la séparation de Krishna. Sanatana Goswami explique qu'il y a une félicité si particulière dans la séparation de Krishna que lorsque quelqu'un a expérimenté cette félicité, il ne voudra plus jamais expérimenter autre chose. Ça paraît paradoxal, parce que extérieurement, ça semble comme une souffrance énorme, gigantesque. Mais, il explique, si on regarde quand même, dans le Brihad Bhagavatamrita, il explique, si on regarde, on voit que toutes les personnes qui ont expérimenté la séparation de Krishna, ils ont qu'une seule envie, c'est de ne jamais perdre cette expérience. Et s'ils la perdent, ils peuvent devenir perturbés et essayer de retrouver cette expérience-là. Donc, il dit par logique, ça veut dire que dans cette expérience qui a l'air d'être une souffrance immense, il doit y avoir en fait une félicité très spéciale, sinon il ne chercherait pas à la retrouver quand il la perd, non ? Donc Prabhupada explique que le fait de servir Krishna dans un sentiment de séparation, c'est la plus haute perfection. Et donc lorsque les associés de Mahaprabhu sont présents sur cette terre, ils font le service qui leur est donné pour Mahaprabhu extérieurement dans ce monde, tout en étant submergé dans ce sentiment de séparation. C'est ça la sadhana la plus puissante. Non? La sadhana ne se compte pas en nombre de tours. C'est bien, le nombre de tours est c'est très relié aussi dans un sens, parce que le sentiment de séparation va inspirer à chanter aussi. Mais pas que obligatoirement, vous comprenez? Ce n'est pas l'aspect numéraire qui est la chose en soi. C'est très lié et c'est très bénéfique aussi pour pouvoir nous amener plus rapidement à l'expérience des sentiments spirituels. Ça n'est jamais négatif. Ça, c'est une chose qui est sûre. Plus on chante, plus c'est positif. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui chante des millions de tours, il est obligatoirement une âme réalisée. Mais le véritable aspect de la sadhana, c'est quels sont les sentiments qu'une personne expérimente lorsqu'il chante. Et il dit bien à la fin, hein, ça, il dit, comment ça dit ça? Je n'ai jamais vu, parce qu'au début il dit, je n'ai jamais vu une telle personne avoir une telle sadhana, et à la fin il dit, je n'ai jamais vu personne qui avait une telle sadhana et un tel sentiment comme il avait. Il dit, tout le monde était déjà attiré par Prabhupada. Les gens cherchaient à avoir son association, ils venaient le voir, lui poser des conseils, parce qu'ils voyaient que c'était quelqu'un qui vivait vraiment dans un très haut sentiment. Vaishnava qui était vraiment absorbé dans des très hauts sentiments. Et il explique aussi, il a travaillé très dur ici dans ce monde. Quand il était au temple de Haladamodar, il dit, il ne chômait pas à Prabhupada.
Il travaillait très très dur. En même temps, il était très absorbé, mais en même temps, il travaillait très très dur. Ça aussi, c'est connecté. Lorsque quelqu'un ressent la séparation de Krishna, qui finalement est une très forte connexion avec Krishna intérieur, il donne beaucoup aussi pour Krishna. Prabhupada était quelqu'un qui travaillait très très dur. Il passait ses journées entières à écrire. Hein? Il allait à Delhi en charrette, comme ça, imprimait lui-même ses magazines. Il était Prabhupada quelqu'un qui a toujours travaillé énormément, à tel point qu'il travaillait tellement dur qu'il ne dormait plus, Prabhupada, hein? Pendant les 10 dernières années de sa vie. Lorsqu'il est arrivé aux États-Unis, Prabhupada travaillait toute la nuit à traduire. Ça, c'est l'intensité de la séparation. Dans son humilité, Prabhupada disait toujours que c'est parce qu'il avait mal à la tête qu'il n'arrivait pas à dormir. Il disait qu'il entendait une cloche dans sa tête tout le temps et ça lui faisait mal à la tête. C'est pour ça qu'il disait que je n'arrivais pas à dormir, je me suis réveillé de bonheur. Personnellement, je pense que ça, c'est l'humilité de Prabhupada. Que c'est une excuse qu'il disait à ses disciples pour justifier le fait qu'il dormait si peu. Mais la véritable raison, c'est qu'il était dans un tel sentiment de séparation qu'il ne pouvait pas vraiment dormir. De séparation par rapport à Krishna, Radha Krishna, Mahaprabhu, mais aussi dans un tel sentiment de devoir répandre le trésor qu'il avait pour mission de partager avec toute la planète. Pas facile d'avoir une mission de répandre la miséricorde de Mahaprabhu tout autour du monde. C'est quand même une grosse mission, non? Ça ne laisse pas tellement le temps de dormir, non? Je me rappelle quand j'étais à la tour, dans le Maharashtra, en 2009, je pense. On avait un petit centre, et on prêchait dans la ville de la Tour, et il y a un dévot qui est venu de Bombay un matin. Il était venu pour collecter des donations pour Food for Life. Parce qu'à Bombay, ils ont un très gros Food for Life, et pour récolter des donations, ils se promènent dans tout le Maharashtra, ils vont dans les villes rencontrer des Indiens qui ont des sous, demander des donations. Il était venu le soir, il avait été rencontrer quelques Indiens dans la ville, récolter des donations, et le lendemain matin, à 7h du matin, il faisait son bagage. Je lui ai dit, bon, Prabhu, tu pars déjà? Il m'a dit, time is short, mission is big. c'est une phrase qui m'est restée dans le mental. Il m'a dit, le temps est très court et notre mission est très grande. Intéressant, hein? Mais Prabhupada aussi était, il avait constamment cette cette tension qu'il habitait. Il savait que sa mission ne s'arrêtait pas simplement aux États-Unis ou à l'Europe, mais il savait que sa mission c'était de répandre le message de Mahaprabhu dans le monde entier. Et ça demande un sacrifice total. Donc il a remarqué ça, Prabhupada, il travaillait très très dur. Même si extérieurement il avait l'air toujours très doux, très gentil, Prabhupada, lui, il pouvait voir que il travaillait très dur. Et Prabhupada pleurait beaucoup. C'est ça aussi qui a beaucoup surpris Hridayananda, comme il dit. Hridayananda Babaji Maharaj. Je connaissais cette histoire déjà. Mais je ne savais pas que c'était lui qui l'avait raconté. Prabhupada passait le balai toute la nuit autour du samadhi de Rupa Goswami. Pourquoi il faisait cela? Passer le balai pendant la nuit. Qui passe le balai pendant la nuit à 2h du matin dans une cour? Non? Vous avez déjà vu quelqu'un passer le balai dans une cour à 2h du matin? Toutes les nuits. Ça n'a pas de sens, quelque part, non? Pourquoi Prabhupada passait le balai tous les matins? On devrait s'interroger là-dessus. Pourquoi il faisait ça? Il y a plusieurs raisons derrière tout ça. On pourrait dire,
une première raison pour laquelle il ne faisait pas pendant la journée, parce que ses sentiments étaient tellement profonds, il fallait qu'il fasse à la nuit pour pouvoir ne pas être vu par les gens. Non, les Vaishnavs, ils n'aiment pas s'exposer devant les gens, donc c'est une manière que, au moins la nuit, personne ne voyait pleurer, sauf Hridayananda Vaji Maharaj, qui a eu quand même une miséricorde spéciale, qu'il a entendu les pleurs au Prabhupada de sa chambre. Personne d'autre a entendu, non? Personne. Mais lui, par la miséricorde de Krishna, le son des pleurs au Prabhupada est entré dans son oreille. Il s'est dit, mais qu'est-ce? Il a été attiré par cette vibration. Ça a dû l'attirer. Vous imaginez quand même? Vous essayez de dormir là et vous entendez Prabhupada pleurer. C'est spécial. Hein? Et là, mais il n'arrivait pas à trouver qui c'était, parce que c'est Vrindavan, on est en 1965, il n'y a pas de lumière pendant la nuit. Hein. On est dans un petit village, il n'y a pas d'électricité dans les rues. Je ne sais même pas, en 1965, quel genre d'électricité il y avait à Vrindavan. Parce que, excusez-moi, mais en 2020, on se demande déjà quel genre d'électricité il y a à Vrindavan. Non? C'est le problème de Vrindavan, c'est les power shortcut. Non? No power for you. No more power. Je sais, parce que quand j'étais en 2007 en train de finir la Dhamma Lamuan, il fallait que je travaille avec une perceuse comme ça pour les limer, les poncer. Hein? Le seul problème, c'était que l'électricité s'arrêtait. Et quand l'électricité s'arrêtait, des fois, je disais, mais elle disait, tu peux revenir dans 3-4 heures, ça va revenir. Donc mon travail était bloqué pendant 3-4 heures, on ne pouvait plus travailler, il fallait attendre que l'électricité revienne pour pouvoir. Donc ça, c'est en 2007. Vous imaginez en 1964, le niveau de l'électricité à Vrindavan. S'il y en avait, ça devait être juste une ampoule par-ci par-là, c'est tout. Donc, et encore, ça se trouve, il n'y en avait même pas du tout, non? Donc oui, c'était la nuit noire, donc impossible de voir qui pleurait, mais il entendait pleurer, mais c'était la nuit noire. Là. Jusqu'au jour, quand il est venu, c'était la pleine nuit, par la grâce de Chandra. Chandra avait décidé de révéler Hridayananda Das Babaji qui pleurait. Donc cette nuit-là, il a étendu sa radiance davantage pour pouvoir éclairer toute la cour de Rupa Goswami et de faire voir que c'était Prabhupada qui était là en fait. Parce qu'il a pensé que le monde devait savoir quand même si Prabhupada se dissimulait. Hein. Chandra a décidé, moi je vais les dévoiler. Et donc il a pu voir, et aujourd'hui on peut entendre grâce à la bénédiction de Chandra Dev. Il a vu Prabhupada qui balayait en pleurant. Balayait en pleurant. On dirait à la rigueur, il chantait son japa en pleurant, tu vois. Mais là, il balayait en pleurant. Tellement il... Parce que c'est rare qu'on voit un dévot qui balaye en pleurant. Hein, non? Souvent, quand les dévots balayent, ils ne pleurent pas trop. Souvent, ils ronchonnent un petit peu, non? On entend les murmures intérieurs, comme il appelle Maharaj, les ronronnements. Quand le mental dit... Souvent, quand vous commencez à faire le ménage, le mental, il commence sa chanson, non? Il dit, oh là là, pourquoi c'est moi qui fais le ménage, t'as vu, il ne fait rien, il prend la mer balayée, c'est toujours moi qui fais ces genre de trucs-là. Non, vous connaissez la chanson du mental. C'est pour ça que le ménage, c'est un très bon travail intérieur. Parce que le mental, il aime pas faire le ménage. Mais Prabhupada, lui, faisait le ménage et il plairait. On pourrait noter que Shyamananda, c'était son service aussi, non? De nettoyer ses vakunj. Il avait reçu le service de Jiva Goswami de nettoyer chaque jour ses vakunj. Et là, il a découvert le bracelet de cheville de Radha en faisant ce service de balayer. Non? Si les Vaishnavas nous donnent comme service de balayer, on va se dire, waouh, ça c'est la corbeille. Non? Mais eux, ils faisaient avec tellement d'amour et d'affection de balayer.
Il balayait les Sevakuns, Yamananda. Mais là, Prabhupada, il balayait quoi? Il se trouve où dans la cour du temple de Rupa Goswami, Santa Goswami? Il se trouve au milieu du Sevakuns aussi. Parce que ce qu'on appelle aujourd'hui Sevakuns, c'est qui est encerclé par un mur, hein. En fait, c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est toute cette, ça va de l'Oi Bazar jusqu'à la Emuna, ça s'appelle Sevakuns. Ça commence à peu près vers l'Oi Bazar. C'est très grand en fait, Sevakuns. Par exemple, là où il y a Rup Sanatan Gaudiamat, c'est aussi Sevakuns. Le temple de Radharamudari, Sevakuns. Donc Prabhupada faisait le même service que Shyamananda. Il balayait le Sevakuns pendant la nuit, à 1h, 2h du matin. C'est l'heure où il y a la danse rasa. Non? Donc c'est très spécial. Et il balayait à cet endroit-là, autour du samedi de Rupa Goswami. Qu'est-ce que cet endroit-là spécial dans Sevakuns? C'est un lieu spécial dans Sevakuns. Pourquoi Rupa Goswami faisait son bhajan à cet endroit-là? Parce qu'il y avait un arbre là. Maintenant, l'arbre n'est plus là. Mais autrefois, il y avait un arbre. Tu as dû voir cet arbre-là. Autrefois, à côté du samadhi de Rupa Goswami, il y avait un arbre. Pas très très haut, mais il était là. Il donnait l'ombre sur le samadhi de Rupa Goswami. Et cet arbre était un arbre spécial. C'est l'arbre où Radha et Krishna se rencontraient lorsqu'ils quittaient la danse rasa. Lorsque Krishna s'était enfui de la danse rasa, ou des fois c'était Radharani qui s'enfuyait de la danse rasa. C'est un des arbres sous lesquels Radha et Krishna se sont retrouvés. Ils venaient là, c'était un endroit spécial. C'est pour ça que Rupa Goswami a choisi de faire son bhajan kuti à cet endroit-là. C'est là, à cet endroit-là, que Rupa Goswami écrivait ses livres. Et ils écrivaient pendant la nuit aussi. Et Sanatana Goswami venait aussi à cet endroit-là, il faisait un petit feu, et comme ça, il pouvait continuer à écrire pendant la nuit. Donc c'était un endroit très spécial. C'est pour ça que Prabhupada est venu là. Prabhupada a dit que le temple de Radharamudar, c'était le the hub, comment on pourrait dire ça, the hub of the universe, l'axe de l'univers. C'est l'axe dans lequel passe le, comment on appelle ça, il y a un terme technique, mais je ne m'en rappelle pas. C'est le centre dans lequel passe l'axe de l'univers, vous comprenez? Il y a un axe de l'univers qui vient de Dhruvaloka, c'est-à-dire et qui descend comme ça, ça passe à travers la planète Terre, ça descend jusqu'aux planètes inférieures. Normalement, on appelle Naimisharanya. L'axe est censé passer à Naimisharanya. Mais Prabhupada a dit que le temple de Radharamudar, c'était le centre de l'univers, autour duquel tout l'univers tourne. C'est un autre genre de vision, peut-être moins astrologique, mais plus basée sur le fait que c'est un lieu tellement central dans les divertissements de Radha et Krishna. C'est ça qu'il voulait dire. C'est là où des choses très incroyables se passaient. C'est pour ça que Prabhupada est venu vivre au temple de Radha Damodara. Parce que Rupa Goswami avait choisi ce lieu avant. Et en tant que Rupanuga, les Rupanuga, ils viennent toujours prendre le refuge de Rupa Goswami. Donc Rupa Goswami avait choisi, il va faire son bhajan là. Il faut comprendre, à l'époque de Rupa Goswami, c'était une forêt. Hein. C'était qu'une forêt avec des arbres, il n'y avait pas de maison, l'Oi Bazar et tout ça, ça n'existait pas. Il a choisi un arbre au milieu de la forêt. Cet arbre qu'il a choisi, c'est parce qu'il connaissait déjà cet arbre. Il connaît, parce qu'il est Rupa Goswami, donc il est Rupa Manjali. Ils connaissent la forêt de Vrindavan par cœur, c'est leur demeure éternelle, non? Il faut savoir que le dame de Vraj qui se manifeste sur Terre, il ressemble comme deux gouttes d'eau à Vraj au monde spirituel. C'est exactement pareil. À tel point que quand Gop Kumar il est arrivé à Vraj au monde spirituel, il s'est dit « Waouh, c'est exactement comme Vraj sur Terre ». Il connaissait puisque lui était né à Vraj. Et donc il a reconnu exactement, c'était les mêmes dispositions et tout ça. Donc ils connaissent.
Rupa Goswami, Sanatana Goswami, ils connaissent. Donc il a choisi cet endroit-là, Rupa Goswami, pour faire son bhajan kuti. Et Prabhupada a dit ok, il a pris refuge de Rupa Goswami. Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il connaît aussi bien que Rupa Goswami. Et pour la deuxième raison, c'est que de toute façon, il prend refuge de Rupa Goswami. En ce monde, tout le monde suit Rupa. Rupa Nuga Varayate. A commencer par Bhaktivinoda. Bhaktivinoda Thakur est le Rupa Nuga par excellence. Je suis Rupa Nuga Bhaktida. Souvent, je me dis que ce prana mantra de Srila Bhaktisiddhanta, il va à merveille aussi pour Prabhupada. Tous les mots qui sont dits, on peut les appliquer aussi à Prabhupada. Ça lui convient à merveille. Parce que Prabhupada, il est tellement similaire à son maître spirituel. Tellement similaire. L'état d'esprit qu'ils avaient, le sentiment qu'ils avaient, extrêmement similaire. Shiva Shabanavi Devi Daita. Shiva, comment on dit? Daitaya Kripa Daya, non? Il était Shiva Shabanavi Devi Daita, qui est très cher. Cette phrase-là, elle a plusieurs manières de dire. On peut dire Varshabhanavi Devi Daita, celui qui était très cher à la fille du roi Vrishabhanu. Ou Jivarshabhanavi Devi Daitaya Kripabdaya, celui qui était très cher au bien-aimé de la fille du roi Vrishabhanu. Ça veut dire les deux à la fois. C'est une phrase qui a double sens. Ces deux choses-là s'appliquent à merveille à Prabhupada aussi. Krishna Sambandha Vigyana Daini Prabhavi Namaha, qui est venu donner au monde la connaissance de notre relation éternelle avec Krishna. Bhaktisiddhanta a fait ça, Prabhupada aussi a fait ça. Il a passé sa vie à expliquer aux gens que nous avons une relation éternelle avec Krishna. Madhuryo Ujwala Premadhyaya, qui est venu donner au monde le trésor de Madhuryo Ujwala Premadhyaya. On appelle Madhurya Rasa, le sentiment de Radha et des goupilles de Vraj. Prabhupada a fait ça. Si vous lisez les livres de Prabhupada, Chaitanya Charitamrita, Prabhupada qui parle que de Madhurya Rasa. Incroyable. Même des choses très merveilleuses. Et quand vous lisez le Chaitanya Charitamrita, si vous analysez le Bengali, et la traduction de Prabhupada, vous verrez que Prabhupada rajoute énormément de choses par-dessus les versets de Krishna Das Kaviraj Goswami. Il rajoute plein de mots, Ça veut dire qu'il était complètement lui-même versé dans Madhurya Rasa. Il connaît tous les secrets de Madhurya Rasa. Embellir même les versets de Krishna Das Kaviraj Goswami qui est Kasturi Manjari. J'ai étudié ça cet été, j'ai réalisé ça. Parce qu'on étudiait la discussion de Ramananda Roy et Swarup Damodar avec Chaitanya Mahaprabhu dans la Gambira quand j'étais à Chicago avec Bhakta Josh, maintenant Ujwal, et comment il s'appelle, Harisham. On étudiait ça le soir et là on s'est rendu compte que ce qu'il y avait marqué dans le mot à mot et la traduction de Prabhupada, c'était quand même assez différent. On voyait comment Prabhupada, il avait rajouté plein de choses, il avait vraiment embelli. C'est la preuve que Prabhupada, il maîtrisait parfaitement aussi. C'est la preuve que le sentiment de Madhurya Rasa habitait aussi complètement dans son cœur. Donc Madhurya Ujwala Premadhyaya, c'est ça qu'il est venu de nous. Sri Rupa Nuga Bhakti Da. Da, ça veut dire donner. Il est venu donner la Rupa Nuga Bhakti, c'est-à-dire la dévotion dans les traces de Rupa Goswami. Non? Quel livre Prabhupada a-t-il traduit? Bhakti Rasamrita Sindhu ou Padesha Amrita? Deux livres de Rupa Goswami.
Prabhupada n'a pas traduit des livres de Satan Goswami, ni des livres de Raghunath Das Goswami, ni des... Il a traduit deux livres de Rupa Goswami. Donc il nous a donné le Rupanuga Bhakti, les enseignements de Rupa Goswami. Rupanuga Bhakti Dharma, Duryojvala Premadya, Rupanuga Bhakti, Shigora Karuna Shakti, Vigraha Namostute. Non? Ça s'applique aussi tellement parfaitement à Prabhupada. Il était la forme, mais la personnification de l'énergie de miséricorde de Gauranga. Non? On peut dire ça de Bhakti Siddhanta, certainement. On peut le dire aussi, au moins autant, de Srila Prabhupada. Sridhar Maharaj a même été jusqu'à dire que Prabhupada avait fait plus que Bhakti Siddhanta. Il n'y a que Sridhar Maharaj qui peut dire ça, sans que ce soit une offense, parce qu'il est Sridhar Maharaj. Donc, s'il a dit ça, c'est pas pour rien. Il a dit en fait, Bhaktivinoda a conçu, Srila Bhaktisiddhanta a donné la forme, et Prabhupada a répondu dans toute son envergure ce qu'eux ils avaient fait. Il dit juste, eux ils avaient conçu et ils avaient juste... Mais c'est lui qui en fait est arrivé et qui a tout fait. Et d'une certaine manière, bien sûr, il travaille au même niveau, c'est un divertissement éternel, mais Chigora Karuna Shakti Vigraha, il incarnait vraiment l'énergie de miséricorde de Gauranga Mahaprabhu. Namaste Gauravani, Shimurtaye. Toi qui es la forme, la personnification, hein, la forme même des enseignements de Chaitanya Mahaprabhu. Prabhupada nous a donné Chaitanya Charitamrita, qui est rempli de Gauravani, et il lui expliquait tout le temps qui a donné plus de classe que Prabhupada. Non? Bon, il parlait tout le temps sur Krishna. Comment il s'appelle? Banu Maharaj, il dit que Prabhupada respirait le Bhagavata. Dès que vous lui posiez une question, il vous répondait, c'était comme si c'était le Bhagavata, Sukadev Goswami qui parlait. Il parlait constamment tout le temps du Bhagavata. Toute la journée, même quand il marchait dans la rue, il voyait des choses, il parlait, c'était toujours, c'était comme si on était dans le Bhagavata même avec lui, il disait. Donc, Shigura Vani, Namaste Gauravani, Shimurtaye, Dina Taaline, qui vient délivrer les êtres Dina, ça veut dire très déchu, très misérable. Dina, ça veut dire misérable. Rupanuga virudapa siddhanta dvantaharini. Rupanuga viruda apa siddhanta dvantaharini. Qui détruit toutes les conclusions qui sont opposées aux conclusions de Rupa. Donc Prabhupada et Rupa Goswami, ils sont très très proches. Très 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 proches. Ça se voit même dans sa mission. Dans ce monde, il est venu prendre refuge de Rupa. Pourquoi? Parce qu'ils sont très proches au monde spirituel, ils vont ensemble. Ils sont éternellement très liés l'un à l'autre, donc naturellement, Prabhupada avait envie d'être là où Rupa était. Puisque, comme dit Babaji à la fin de son explication, Prabhupada est toujours là. De la même manière, Rupa Goswami est toujours là. Non, c'est très beau quand il dit en fait, il est toujours là, en train de balayer la cour. Il dit, si on veut attraper quelque chose, il faut tendre notre main, il faut faire l'effort de tendre notre main pour pouvoir le saisir. Il dit de la même manière, il chante encore dans la salle du temple de Radha Damoda, il balaye encore la cour, il fait encore tous ces divertissements merveilleux. Si nous faisons un effort pour pouvoir voir Prabhupada, non, nous devons faire l'effort de voir Prabhupada. Il n'est parti nulle part. Et si nous ressentons la séparation, alors nous pouvons être avec lui. C'est beau, non, quand même. Il nous explique comment faire pour rencontrer Prabhupada. Parce que s'il dit ça, ça veut dire que manifestement, lui, il perçoit encore la présence de Prabhupada. Peut-être qu'il entend encore la nuit Prabhupada pleurer. Gurgumina Maharaj, il avait dit ça.
parce qu'il avait fabriqué une hutte à Bhubaneswar dans laquelle Prabhupada est venu vivre pendant 16 jours avec lui. Et il dit le matin, Prabhupada se levait à 2h du matin, il traduisait le Bhagavatam. Il dit, si vous y allez aujourd'hui encore, à cette heure-là, vous pourrez entendre la voix de Prabhupada traduire le Bhagavatam. Il dit, si vous avez les oreilles pour entendre, vous pourrez entendre la voix transcendantale. Le Prabhupada traduit le Bhagavatam, il dit, il le fait encore aujourd'hui. Il est là, toujours autant. Et ensuite, il a dit, si vous avez la chance d'entendre cette vibration transcendantale, alors votre cœur deviendra purifié en un instant. Donc, on doit comprendre que les Vaishnavas, ils sont toujours présents. On doit faire l'effort. Il dit, nous devons faire l'effort de voir Prabhupada. Prabhupada est ici, maintenant, même. Mais il faut que nous le cherchions. Parce que Krishna l'a caché comme si c'était derrière un rideau. Intéressant, hein? Il est où là? Il est quand même là? Non, il est là-bas. Ah, heureusement, les Murtis, les Vaishnavas sont miséricordieux, ils acceptent aussi de venir sous la forme de Murtis, et là on peut les voir un petit peu plus, non? Mais même sans Murtis, ils sont présents. Et ultimement, ils sont dans notre cœur aussi. Si nous faisons, mais il faut faire l'effort de les rechercher. C'est très intéressant ce qu'il dit. Nous devons le trouver. Parce que Krishna l'a caché. Mais comme Krishna l'a caché, Krishna peut aussi le dévoiler, non? Celui qui a baissé le rideau peut aussi relever le rideau. Son divertissement est encore en train de se continuer. Il est certainement encore à cet endroit-là. Comme un morceau de camphre, quand il était dans du tissu, même quand le camphre est fini, le tissu sent encore la même odeur que quand il y avait le camphre dedans. Nous devons faire un effort profond pour pouvoir voir Prabhupada. Il n'est parti nulle part. Si nous ressentons la séparation, alors nous pourrons être avec lui. Par un effort très profond, Utkanta, tout sera révélé. Si nous allons ainsi voir Srila Prabhupada, alors il nous prendra dans ses bras avec un sentiment si immense comme le fait le Seigneur, comme Krishna prend dans ses bras ses associés, ses serviteurs. Là, il nous donne quelque chose, et ce n'est pas une âme ordinaire quand même, hein? Babaji Maharaj. Parce que pour dire ça, ça veut dire que lui, il a déjà expérimenté ça, sinon comment il aurait pu dire ça? Ça veut dire qu'il a déjà expérimenté, que Prabhupada l'a pris dans ses bras. Srivara Maharaj, il a eu cette expérience, une fois il l'écrit. Après, quand Prabhupada a quitté son corps, il était tellement dévasté, parce qu'il s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tout va péricliter, ça va être terrible et tout ça. Et il était tellement dévasté pendant plusieurs jours que Prabhupada lui est apparu en rêve. Et Prabhupada l'a pris dans ses bras et lui dit, ne t'inquiète pas, tout va aller très bien. Ça, c'est une instance, par exemple, mais c'est vrai. Ceux qui ont le désir profond de voir Prabhupada, Prabhupada viendra les voir. C'est ça qu'il nous transmet. On peut s'arrêter sur cette très belle note, non? Aujourd'hui. C'est la cinquième note, on dit. Tu connais la cinquième note? Non? On parle toujours que Krishna est joué la cinquième note. Qu'est-ce que ça veut dire la cinquième note, hein? C'est un mystère. On pourra parler une autre fois. C'est mystérieux. Krishna joue de la cinquième note. Tu t'es jamais demandé, surtout quand tu connais la musique. Ça veut dire quoi? Il joue juste une note, Krishna? La cinquième note? Parce qu'en musique, tu dis que Krishna, il prenait sa flûte, il jouait la cinquième note. Tu t'es jamais posé la question? Quelle note? T'as jamais entendu parler? Quand Krishna joue la flûte pour commencer la danse Rasa, il joue la cinquième note. Qu'est-ce que c'est cette cinquième note? Je me suis dit, genre une cinquième note, ça veut dire quoi? Il fait juste... Je me suis dit,
Pas génial, génial comme je le dis tout le temps. Parce qu'en Occident, si tu dis il joue la cinquième note, en gros, ça veut dire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, il joue sol. Hein? Il joue juste la quinte, quoi. Et bon, c'est joli une quinte, mais bon, après, ça a rien de fantastique quand même, une quinte. Non? C'est beau, ça sonne bien, la quinte, mais bon. C'est pas que Krishna faisait juste une quinte comme ça. Il doit y avoir quelque chose. Ah, j'ai trouvé récemment. Krishna m'a permis de comprendre. La cinquième note, ça veut dire le cinquième raga. Il y a différents ragas. Et le cinquième note veut dire le cinquième raga, qui correspond à quelque chose, à un sentiment particulier. Ah, au prochain épisode. Mais voilà, moi je trouve ça très beau. Je pense qu'on est très redevable envers Sripad et Dayananda Babaji Maharaj pour nous avoir donné un tel cadeau, de comprendre que si on ressent la séparation de Prabhupada avec un désir vraiment profond d'être avec lui, alors on pourra percevoir Prabhupada et qu'il nous prendra dans ses bras. Jai, Srila Prabhupada qui dit Jai. Et si on arrive à faire ça, alors le mouvement de Sankirtan se répandra, puisque c'est comme si Prabhupada était là. Mm-hmm.